Attention, le danger viendra de l'Asie. Teng Haibin pour la Chine. Et là, il faut vraiment se méfier. Qualifié seulement en 8e position des demi-finales car il avait fait une faute. Oui, mais au qualif, il avait bien marché. Et oui, il était deuxième. Regardez la position du corps, le dégagement. Excellente technique. Pureté. Long travail en facial russe en bout du cheval. Le rythme est impressionnant. Mais il fait 46 kilos alors que la tenue du corps est parfaite. Casimir en fait 64. Hein. C'est pas le même gabarit, c'est sûr. La ligne de pointe est excellente. 6 au demi-tour. Voilà, on relance le cercle et ça va aller jusqu'au bout. Et c'est un sans faute pour le chinois. Et oui. Teng Haibin. Et là, ça sent un petit peu le roussi pour Eric Casimir. Parce que il reste encore un chinois, Qin Xiao, et deux roumains. Ça va être très très Xiao Qing est en principe meilleur aux arçons que Teng Haibin, mais aux arçons, rien n'est jamais joué d'avance. Regardez. Ben oui, mais 1m63, 1m56, 46 kg, contre 1m75, 64 kg, je veux dire, il n'y a presque pas de match. Et il passe juste de justesse, devant, hein. De justesse.